Nous devons rendre compte au capitaine Akeran. Colmatez ce fil de prométhium immédiatement. Dispense de la maintenance. Il nous faut une équipe de réparation avant mon prochain vol. Oui, c'est bon. Prenez note des dégâts. Allez. De bataille à l'intention des technogures. Et ça du salut. Le blindage aux sections 28B et 40E est fragilisé. Que s'est-il passé entre vous et l'Euse? Sans intérêt. Je ne suis pas d'accord. C'est votre droit. Mon frère, nous voulons seulement aider. Aider? Vous avez failli faire échouer la mission. Et maintenant vous parlez d'aider? Pas le JPEG. Seigneur. Hereticus Astartes. Ils investissent toutes les villes russes sur Avarax. Nous sommes déjà débordés par les tyrannides. Les traîtres nous prennent de court. Les Adeptus Mechanicus disent qu'Aurora est prête. Que l'arme va fonctionner. Chef. Je comprends vos craintes, Titus. Mais nous n'avons pas le choix. Est-ce qu'on peut au moins avertir Khalgar du danger? Impossible. Le relais astropathique sur Avarax est entièrement encerclé. Toutes nos tentatives pour percer les lignes des tyrannies ont échoué. On peut transmettre un Vox? Non, il y a une zone blanche autour du relais. Nos communications Vox sont bloquées. Alors nous devons entrer. L'Empereur m'en soit témoin, j'ai essayé. Maintenant, les tyrannides attaquent nos défenses. On se retire à la forteresse. C'est là qu'on livrera notre dernière bataille. Projection du champ de bataille. Zoom en C3. Où es-tu? Là, le tyran des ruches. On n'a pas reçu de rapport. Il est là. En le tuant, on rompt la connexion synaptique. Il décamperait comme des rats. Un tyran des ruches. Un adversaire de taille. Et si vous vous trompez? S'il n'est pas là, je ne peux pas envoyer des hommes sur une intuition. Confiez-moi deux escouades. Deux escouades? On doit tuer le tyran des ruches, trouver le brouilleur et délivrer le message jusqu'au relais. Six hommes. C'est tout ce que je peux faire. Je n'aurai pas mieux. Merci. L'Empereur vous protège. Eh ben... Lieutenant Titus. J'écoute. Venez me voir sur le pont d'équipage. Si le chapelain souhaite vous voir à cause de mes transgressions, j'en assumerai l'entière responsabilité. Je n'ai fait aucun rapport. Je dois encore décider si vous méritez une pénitence formelle. C'est vrai qu'il y a un petit côté Henri Cavill, hein, dans le personnage, en regardant bien. On sent que... C'était un petit peu en... Peut-être en pourparler. Titus, le capitaine a placé tous ses espoirs sur vous et cette mission. Si jamais vous atteignez le relais, votre message au seigneur Khalgar peut déterminer le cours de cette guerre. Choisissez vos mots avec soin. Vous doutez de mes intentions? Ce sont vos actions que je jugerai. Inutile de vous rappeler les conséquences dont vous avez eu à souffrir la dernière fois. Si vous ne pouvez pas vous fier à la volonté du Primarque, alors vous n'êtes pas digne de votre devoir. Ok. Ah, c'est juste pour me dire ça. C'est un intérêt, quoi. Avoir des doutes sur vos intentions. C'est la responsabilité du chapelain de veiller à ce que le chapitre reste pur, pas la vôtre. Votre comportement instable n'est un mystère pour personne. Et je constate maintenant que vous avez des antécédents. Je m'acquitte de mon devoir, tout comme je l'ai fait par le passé.
en protégeant un système de la ruine. Ah, est-ce qu'on a des nouvelles armes? On va aller voir. Le voilà. Lieutenant, Galéo et moi examinions justement votre récent diagnostic. Galéo, je désapprouve de telles intrusions. Moi de même. Mais il y a des questions qui ne peuvent rester en suspens. Je ne cherche que des réponses. Votre survie est un profond mystère qui doit être résolu. Une curiosité si débridée ne mène qu'à la ruine. C'est bien là. Vous faites erreur. La ruine nous entoure. Mais je vais bientôt partir pour l'installation Aurora sur Temerium. Et là, je fermerai définitivement tous les portails menant à la ruine. Vous verrez. Donc, on a ça, 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 ça. Fusil fuseur. C'est vrai que le fusil fuseur, il est pas mal. Il a quoi de portée. Ouais, c'est celui-là. On a toutes les armes, alors peut-être qu'après on peut encore en débloquer. On va bien voir. Pas de nouvelles armes là. Alors on va prendre celle-là. J'aime bien l'épée énergétique finalement. Et il y a le marteau qu'il faudra qu'on teste aussi. Bref, allez, c'est parti. L'escouade est prête. Lieutenant, nous sommes sous vos ordres. Le relais astropathique sur Abarax est pris d'assaut. S'il tombe, nos espoirs de renfort tomberont avec. Nous allons exécuter une opération en trois points. Pour briser le commandement Xenos, rétablir le Vox et protéger le relais. Nous ne vous décevrons pas. Tant mieux, personne ne peut décevoir aujourd'hui. Préparez-vous au déploiement. Je vous donnerai les détails de la mission pendant la descente. Allez, bim. Ah, il y avait un truc derrière. Bon, voilà. Le tyran des ruches. Thalassa va s'en sortir. Ils n'ont que trois hommes. On devrait être avec eux au lieu de jouer les coursiers. Le message doit être transmis. Et quel message exactement? Parlez sans détour, mon frère. J'ai lu les archives, mon frère. Vous étiez capitaine de la deuxième compagnie. Et vous avez disparu il y a plus d'un siècle. Je servais dans la Death Watch. Il y aurait des registres. Pas pour un bouclier noir. Un bouclier noir? Vous renieriez votre allégeance au chapitre? Je mourrais pour ces couleurs. Alors pourquoi? On m'a accusé. Telle a été ma pénitence. De quoi vous a-t-on accusé? De corruption. Atterrissage imminent. En avant. Il
équipe Delta. Test Vox. Ici Veridian. Toujours à bord de notre aéronef. Thalassa est sur place. Et il y aura bientôt un tyran de moins. Bien reçu. En route vers le relais. Maintenez les communications Vox. Damoclès terminé. Oh, la cloche. Le relais astropathique se trouve à 6 km d'ici. Attendez-vous à une forte présence de tyrannides. En est-il du grand abri? Quelques signaux sporadiques, mais ils sont là. Je prends de l'équipement. Vous êtes déshonoré. Je vous supplie. Pardonnez-le, Coardis. Car nous sommes la vengeance. Et nous apporterons la mort en jour. Eh ben, dis donc. Au nom de notre saint empereur. Chef, oui, chef. Donnerez-vous votre vie au nom de ce qui est bon et pur. Au nom de notre saint empereur. Chef, oui, chef. Alors, prenez l'étendard cadien et brandissez le blaireau pour que l'ennemi tape le nom de leur bourreau. Donc là, on est encore dans les défenses. Entrez dans le trou noir, Vox, Damoclès. Compris. Damoclès terminé. Kairon, si nous tombons sur les forces du chaos... Ne vous inquiétez pas pour moi, lieutenant. Si vous me refaites un coup pareil... Je vous envoie devant le maître du guet. Je comprends. Mais pourquoi ne pas nous avoir parlé plus tôt de votre pénitence? Cela ne vous regardait pas. Et maintenant? À force de soupçons et de manipulations, vous avez réussi à vous en mêler. Elles sont coincées, Seigneur. Endommagées depuis la dernière attaque. Écartez-vous. Écartez-vous, petits hommes. Très bien, Monseigneur. Fermez les portes. Ah, par contre, c'est... Le relais est devant. Derrière l'arche. Attaquez. Ah merde. J'aurais récupéré de l'armure, c'est mort. Ah.
Ça va bien faire mal, hein. Le pont s'est écroulé à cause des spores. Impossible de passer. Il existe peut-être un autre chemin. J'écoute. Je l'envoie sur votre Spex. Nous allons devoir déblayer tout ça. Hop. Ok. La voie est dégagée. Ah, la cloche et tout là. Magnifique. Et ça, tu sens quand même que les développeurs ils s'amusent hein, sur ce genre de truc. Je crois que nous avons trouvé notre sortie. Ouais, moi aussi je crois. Le relais. Nos frères sont en mauvaise posture. Équipe Delta, nous avons enterré le Xeno comme il se devait. Mais il n'est pas mort. Éclairez-nous, Seigneur Titus. La nuée deviendrait intenable sans leur lien avec l'esprit russe. Mais leur attention est toujours portée sur le relais. Les rapports confirment l'évaluation du lieutenant. Cohésion ennemie pleinement effective. Cette créature n'est pas encore morte. Nous tiendrons notre parole. Cette colossale abomination ne se relèvera pas. Eh ben, c'est ce que je voulais, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Eh ben, les attaques de sport. Tactique spéciale, prête. Bon. Rechargement en cours. Et la suite.
La porte est hors service. Est-ce qu'il y a un autre chemin? Oui. Oh, attends, nouvelle arme. Qu'est-ce qu'on a? Dans ce cas, nous devons rétablir le courant. C'est une arme que j'aime bien, que j'affectionne. Donc attends, on peut aller par là. Ouais, donc on va aller par là. Ok. Oh. Enregistrement. Déclaration de preuve. Les caisses trouvées dans le secteur 55 de la rue supérieure contiennent 12 volumes d'ouvrages hérétiques douteux. Également récupérés, 14 fusils laser de type Cantrel, 8 pistolets laser de conception diverse. Les numéros de série sont limés. Des symboles hérétiques figurent à la surface des armes. Je joins des images corroborant les preuves. Preuves à détruire conformément au protocole d'invasion. Des traces du culte indiquent que ses racines remontent loin dans la ruche. Rien que d'imaginer qu'il a atteint les plus hauts niveaux me retourne l'estomac. Ouvrez la porte. Ces officiers, bureaucrates et politiques sont si enlisés dans leur complot qu'ils ont réchauffé et nourri les racines de l'hérésie au sein de leur propre mur. Sauf que le feu des représailles les consume déjà. Le châtiment de l'empereur est inévitable. Fin de l'enregistrement. Ok. Les hérétiques cherchent à nous arrêter. Il semblerait, effectivement. C'est-à-dire? Les légions renégates utilisent l'intrigue et la tromperie depuis 10 000 ans. Ce sont des maîtres en la matière. Ils sont sûrement là pour arrêter Aurora. Pas forcément. Cette histoire cache quelque chose. J'en suis certain. Peu importe leurs objectifs, ils mourront de ma main. Attends, est-ce qu'il y a des caisses là, munitions? Arsenal armé. On peut embêter là. Ravitaillement en cours. Trop facile. Pourquoi ils sortent de là-dedans? C'est l'espèce de nid. Cocon. Plutôt bien foutu. Hein. Munitions sécurisées. Allez, on continue. Hérésie et corruption. Les tyrannides cherchent également à consommer ça. S'ils s'entretuent, alors tant mieux. J'aime bien porter les statues.
rejoindre le bataillon principal. Titus aux résilientes. Demande tourelle de largage à Morphol Gamma à ma position sur le champ. Vous voulez sauter ? Demande confirmée. Tenez-vous prêt. C'est notre point d'entrée. Ça fait une sacrée distance. Damoclès à Thalassa. Répondez. Si Thalassa perd contre le tyran Berruche... Alors notre petite excursion n'aura servi à rien. Allez. Bon, j'étais un petit peu dur au début au niveau de du gameplay. Quand la gloire nous attend. Mais en fait, nos frères meurent pendant que nous nous faufilons comme des voleurs. Il faut délivrer ce message ou il y aura un massacre. Mais en fait c'est plutôt varié, donc c'est plutôt cool. Même les armes et tout sont plutôt variées. L'a dit lui-même. Il y a de la tromperie à l'œuvre. Si vous avez quelque chose à dire, sergent. Oh là, ça va être cool, je pense. C'est quoi ça? On prend. Ils ne passeront pas. Bolt lourde. Allez, on va tester ça. Redéploiement.
décourager. Ils sont pas à temps. Alors, c'est marrant parce qu'il y a des... Comment ça s'appelle ? Il y a des finish. J'active les réacteurs. Meridian, vous recevez ? Ok. Il y a des finish qu'on voit très rarement. Il y en a qu'on voit trop souvent. Donc, je pense que c'est un mauvais équilibre des finish. Alassa, au rapport. Le vilux xéno. Ce... Alassa, nous avons été coupés. Répétez. Alassa ! Après, c'est pas non plus très très grave. Donc, sur nos trois objectifs, aucun n'a été rempli. On ne peut plus reculer. Repositionnement. Alors je crois que c'est par là que je viens d'arriver, ouais c'est ça à peu près. On va faire ça. Hop là. Pour le reste on est cool. Mais une fois que vous avez compris comment fonctionne le strato-réacteur, c'est bon quoi. Comment il fait pour se déplacer comme ça, lui ? Est-ce que c'est un bug ou est-ce que c'est... Enfin bref, peu importe. En mouvement. Oh, attends... La forge nous fait un superbe présent. Les réacteurs d'Orson ont du mal avec toute cette poussière. Réacteur dorsal, encrassé de poussière. Nous devons progresser à pied. L'ennemi a percé nos lignes. Thalassa a échoué. Lieutenant, quels sont vos ordres ? Au combat. Au ultramar ! Allez, Thalassa. Au. Je vais vous aider.
Merci. Ouais, parce que là... Eh merde. Wow. Allez, viens là toi. Oh, un boss maintenant. Évidemment. Ok. Un instant, mes frères. Rechargement en cours. Que tu es moche. Bombe à fusion déployée. Il va pas aimer. Je me relève. Au moins la relique aura une utilité.
Alors, on va te voir un peu là. Munitions sécurisées. Ah bon. On va recharger. Allez, on finit avec ça là. Enfin. Unité lourde, Zeno, éliminée. Bonne chose de faite. Qu'est-ce qui se passe, bitch? Me ravitaille. Oh, le Carnifex. Encore un? Non. Ah ouais. Bon. Ouais, ok. Comment dire? Bonjour. Bonjour, mais Ok. Que se passe-t-il? C'est un assassin. Ils ont tué le tyran des ruches. Regardez-les. Ils tombent comme des mouches. Eh ben, dis donc. Le tyran des ruches contrôlait ses sous-fifres par liaison synaptique. L'agitation dans les rangs ennemis ne peut vouloir dire qu'une chose. Le tyran des ruches est mort. Ici Meridian. Damoclès, si vous m'entendez. Nous avons eu ces enflures. Excellent travail, mon frère. Un contact avec Thalassa? Thalassa pour Damoclès. Le Xeno a cessé de contaminer notre monde. Lieutenant Titus au relais. Zone sécurisée. Ouvrez les portes. Quoi ça, la porte? Oh. Allons-y. Bon combat, mes frères. Je veillerai à ce que le capitaine apprenne vos exploits. Je n'ai pas besoin de médailles. Vous en êtes sûr? Suffit! Lieutenant, une fois cette mission terminée, je souhaite être transféré dans une autre escouade. Je transmettrai votre demande au capitaine. Oh. Ah, c'est scripté vu qu'on m'a mis une arme que j'avais pas. Mais bon, pourquoi pas. Les pertes s'accumulent. Il nous faut du ravitaillement. Faut sortir de là. Est-ce que c'est l'œuvre d'Exenos? Les flottes ruches projettent une ombre psychique qui ravage l'esprit des Psykers. Avant les mondes sur leur chemin, il y a la possibilité d'appeler à l'aide. Espérons que ce n'est pas trop tard. Fusil Bolter lourd. Mettons-nous au travail. Bolter lourd. Ouais, allez. J'ai un message pour Marneus Kaldar. Je ne peux pas vous aider. C'est urgent. En plus de l'ombre projetée dans le warp par les tyrannides, les forces démoniaques peuvent désormais s'en prendre à quiconque ouvre son esprit au warp. Vous
vous fuyez votre devoir. Pour votre gouverne. Donnez-moi votre message. J'ai compris. Nous pouvons commencer. Madame, je me dois de protester. C'est trop dangereux. Silence! Il n'y a aucune garantie. Énorme. Bon. Ah merde. Il a renié notre propre droit de naissance. Le vide, quelques instants,
Ah. Les munitions. Allez. Qu'est-ce que c'est que ce truc? P2. Ok. Alors on va se planquer du coup. Je relève le. Ah. Vous n'êtes qu'une lueur vacillante dans cet univers. Et votre impérium, un postillon perdu dans le cours des temps. Ah. Bon. S'il vous plaît, les gars. C'est pas croyable. L'autre, tu vois pas qu'il est en train de se faire focus. Putain, mais c'est impossible. Incroyable. Je sens toute l'étendue de l'amertume qui se dresse entre vous et vos soi-disant frères. Ok.
Oh. Titus. Des forces du chaos ont été détectées dans le système. Ils veulent s'emparer d'Aurora. Nous partons immédiatement pour Demerium. Comment vous l'avez su? J'étais sur Calf quand les Warbearers sont attaqués. Je sais reconnaître la marque du chaos. On retourne à la barge de bataille. Ah, trop bien. Je comprends vos actes, mais vos doutes s'arrêtent ici. C'est compris? Oui, chef. Allez, zou. À très vite.